Ravi de vous retrouver, chers téléspectateurs, et bienvenue dans cette nouvelle édition dans votre émission hebdomadaire Bibliothèque à votre fenêtre sur le monde culturel, votre fenêtre sur les dernières productions culturelles ou même intellectuelles qui sont apparues sur la scène égyptienne durant les derniers jours. Aujourd'hui, chers téléspectateurs, nous avons un rendez-vous très intéressant avec cette œuvre intitulée Les Menottes. C'est un roman de genre de science-fiction, mais qui regroupe en fait des informations historiques très intéressantes, très importantes. Par exemple, les menottes, ce sont les fautes du passé. Ce sont les fautes ou ce sont les bracelets métalliques à travers lequel est attaché, au travers lesquels est attaché Samer, l'héros de ces aventures mystérieuses de ce roman intitulé encore une fois Les Menottes. À travers même la magie de Fodo, on trouve que les victimes de Samer cherchent à prendre leur revanche, mais poussées par l'amour, poussées plutôt par la passion de sauver son amoureuse, son épouse, Samer essaye de prendre des missions presque impossibles. Ce sont des missions qui visent à corriger des événements fatals dans l'histoire du monde entier. Mais en même temps, on trouve que ces missions révèlent plusieurs informations historiques ou même révèlent les imaginations de l'auteur de cette œuvre, c'est M. Mohamed Abdelrazzak. Et en même temps, on trouve qu'il y a une question très importante. Est-ce que Samer va réaliser ses missions presque impossibles? C'est ce qu'on va savoir après ce reportage, à travers notre rendez-vous, à travers notre rencontre avec M. Mohamed Abdelrazzak. Le cinéma de science-fiction est un genre cinématographique parmi les plus populaires. Les thèmes typiques de la science-fiction constituent les fondements du développement de l'intrigue dramatique dans ce genre de production. Dans les films de science-fiction, la technique narrative est née de la présence d'éléments scientifiques imaginaires ou virtuels, comme la rédaction d'une nouvelle théorie mathématique, l'invention d'un équipement technologique innovateur et la découverte de nouveaux développements prometteurs, dont le domaine de la bio-ingénierie. Ce genre de film est habituellement associé à un environnement éloigné à l'avenir, comme les voyages interstellaires, les guerres nucléaires ou les catastrophes naturelles dans le monde. Si nous avons connu le cinéma de science-fiction en tant que genre indépendant à la fin des années 1950, l'élément de fiction a été identifié avec les débuts du 7e art. Avec le temps, le cinéma de science-fiction a exploré un certain nombre de thèmes. La tendance à transmettre des messages philosophiques et politiques avec précision est l'une des qualités qui font l'éclat de ce genre cinématographique. Les œuvres de science-fiction sont utilisées pour exprimer des thèmes sociétaux comme l'appel à la paix, la guerre froide, la peur des étrangers, l'influence de la pollution dans des périodes historiques qui ont connu des crises morales tout en fournissant un divertissement au public. Les films de science-fiction s'intéressent aux effets spéciaux. En même temps, ils accordent une attention particulière aux passionnés des scènes de guerre spatiale, d'armes et de mondes irréalistes. Tout ceci est le fruit de l'évolution rapide et permanente de la technologie et de l'art informatique. Il y a un certain nombre de films de science-fiction enracinés dans la mémoire et un grand nombre d'œuvres qui peuvent être comptées comme de mauvais exemples de production cinématographique. Le cinéma de science-fiction a commencé à prendre ses formes artistiques grâce aux efforts collectifs de nombreux cinéastes talentueux.
Ce fait a pris plusieurs décennies. Donc, chers téléspectateurs, nous sommes aujourd'hui, ou nous avons aujourd'hui un rendez-vous très important. C'est bien sûr cette œuvre intitulée Les Ménotes. Et comme vous savez, et nous allons continuer avec notre invité, l'auteur de cette œuvre, M. Mohamed Abdelrazak, les événements, les dimensions de ce roman pendant cette édition. La deuxième mission avait un slogan que l'homme ne savait pas les valeurs des choses jusqu'à ce qu'il les perdait. George Hanson, c'est un agriculteur au sud de l'Afrique, c'est lui l'énigme. Oui, c'est l'histoire la plus bref dans tout le roman parce que quand je lisais en ce qui le concerne, il n'y avait pas aucune information que cet homme avait perdu son ferme. L'histoire que j'essaye de le faire, quand cette ferme, vous ne savez pas ce qui est en dedans. Vous ne mettez pas en conscience la valeur de ce qui entre en vos mains jusqu'à ce que vous le perdiez. C'est ça l'information que je veux le faire accéder au lecteur. Qu'est-ce qu'il y avait fait? Sa femme lui disait pour toujours, on va vendre celle-là. Elle ne nous donne pas un revenu. Il s'ennuie. Il l'avait vendue avec 10 dollars. Seulement, et après la compagnie qui l'avait fouillée ou l'explorée, elle avait découvert dedans le plus grand mine d'or et du diamant au niveau du monde. Vous voyez comment est le heartbreak qu'il avait atteint extraordinaire. C'est une des fautes, mais pas la faute de George lui-même. C'est la faute de son épouse qui l'ennuie jour et nuit. Elle ne se tait pas, on va vendre, on doit la vendre pour se profiter de l'argent. Donc, il soumet, il avait décidé à vendre son ferme. Vend. La troisième mission concernant le changement de l'histoire concernant Semer et le policier russe Schlenko. L'incendie de la moitié de la ville du Londres en 1696. Et vous avez cité que Louis XIV, le roi de la France, était en visite pour le Londres durant cet événement flagrant et tuant. Il y avait quelques traits. Louis XIV était surnommé le roi du soleil, qui avait changé le projet civilisé ou la civilisation de la France et de l'Europe. Et c'est lui qui avait fait entrer les rites officiels en ce qui concerne l'étiquette. Et il avait une phrase fameuse ou célèbre, « C'est moi le pays ». Et durant son jugement, le royaume français est arrivé au jugement absolu et au plus extrême capacité et stabilité sociale et politique. Et après cela, il y avait l'inverse à la fin de son pouvoir. Mais laissez-moi regarder le peuple qui règne et pas le roi. C'est une des phrases du roi de l'Angleterre. Oui, laissez-nous retourner au point du boulanger, parce que c'est le point du départ. C'est l'erreur que le thème du roman se dépendait pour toujours. Il est célèbre par son pain, il est très bon, très délicieux, mais le roi aime son pain. Il y avait beaucoup de boulangers, mais il aime le pain du Jovens. Dans un jour, il avait décidé à appeler Jovens, parce qu'il y avait une reine qui viendra au palais comme une visite officielle. Et il veut savoir, est-ce que tu vas faire honneur, Jovens, ou qu'est-ce que tu vas faire? Et en même temps, Jovens, qu'est-ce qu'il va faire? Le roi lui donne un secret du pays, parce qu'il lui dit, vous êtes très proche de moi, et je sentais qu'il y avait un certain complot contre moi. Faites attention et restez à côté du moi.
moi. Je fais exprès à citer les noms des rois de la France et de l'Angleterre pour ouvrir la recherche devant le lecteur, parce que le lecteur doit chercher derrière vous. Il commence à ouvrir, à regarder, il commence également à lire en ce qui concerne Louis XIV et au roi de l'Angleterre. Il commence à regarder parmi cette partie. Les gars du Jovens, derrière le complot, qui se fait. Il avait oublié, durant cette recherche, la torche de son boulangerie, allumée, et il avait oublié de l'éteindre, ce qui mène à l'incendie de la moitié de l'Angleterre, et c'était une grande démolition et destruction dans ce temps-ci. كان من ضمن الجزء بقى ده وتوهان بقى جوفنز مع المؤامره اللي بتتعمل والكلام ده انه نسي الشعله بتاعه المخبز بتاعه ولعه في قلب المخبز ونسي يقفلها وكان منها ان حريق نص لندن في الوقت دوت وطبعا كان دمار كبير جدا جدا في التوقيت ده Le cinéma de science-fiction a été très influencé depuis sa création par la littérature, en plus de quelques chefs-d'œuvre cinématographiques dont les origines remontent aux livres de science-fiction. Peu de temps après, le roman et les films sont devenus des entités indépendantes. L'influence des livres dépend des sujets, des idées fondamentales. Quant au cinéma, il s'est transformé en œuvre indépendante. Le cinéma a tendance à inventer ses propres théories imaginaires, surtout depuis les années 1970. La science-fiction ressemble à la littérature analytique. Elle se rapporte aux idées bien que les films soient loin de l'analyse. En ce qui concerne la présentation des idées, celles-ci sont présentées à travers des images visuelles qui ont une valeur métaphorique. Il se peut qu'elles soient fortes, mais elles ne sont pas précises. Le cinéma est également un art populaire. C'est pourquoi il tend vers la simplicité. Il y a toujours du nouveau dans la science-fiction. George Lucas, Steven Spielberg sont parmi les auteurs d'Hollywood qui ont enrichi ce domaine en écrivant des histoires de films réussis, montrant leur désir que les adolescents regardent ce genre de films au cinéma. C'est pourquoi les cinéastes d'Hollywood voient les écrivains de science-fiction comme des surnaturels. Les romans et les histoires ne sont pas les seules sources d'idées. Il existe d'autres sources d'inspiration comme les bandes dessinées, la télévision, les jeux vidéo et le cinéma lui-même. Au fil du temps, les films de science-fiction se sont renforcés occupant une grande part du marché. En 1971, en plus de la science-fiction, on commence à voir aussi les films d'horreur et non réalistes qui représente environ 5% des revenus du box-office aux États-Unis. Laissez-moi vous dire ce que j'inspire de cet événement. Le feu majeur se fait de ce qui minimise le mal et les anticoups les plus graves et les plus majeurs contre les rois qui laissent leur trône venir des personnages les plus simples ou ils se trouvent dans les peuples et dans les sociétés. Je retourne et je clôture avec ce qu'avait dit Zosha, cette fille russe qui avait utilisé contre ce qui est normal.
compromis, la stupidité des musulmans, la quatrième mission impossible, chargée à Sèmes pour changer l'histoire. Cette quatrième mission me fatigue beaucoup. Pourquoi? Vous remarquez, l'histoire marche après chaque mission. Il vous punit. Je fais un entracte. Vous ne triomphez pas. Vous n'avez pas changé quelque chose. Il goûte l'amertume de la défaite. C'est comme elle étouffe Sèmes et il la fait mourir et c'est tout. Et elle le fait enlever et elle le fait élever pour une autre fois. Bien pour continuer. Voilà, c'est la quatrième mission. Je demande moi-même, je reste une semaine complète dans cette quatrième mission seulement. Une semaine, je n'écris pas, je pense seulement comment je vais le rédiger. Il y avait un point, un événement, et il ne savait pas le changer. Il y avait une bataille différente. Ça va être une bataille tranchante pour les musulmans, qui était entre le leader arabe, Abdelrahman al-Khafri, et Charles Martin, qui est surnommé le marteau, vu de son force et de son sévérité. C'est une bataille qui s'appelle le cours des martyrs. Pourquoi elle est surnommée comme ça? Vu du nombre des êtres humains qui ont été tués dans lequel. Il était où cette bataille? À l'intérieur des frontières de l'Europe, oui, de la France, entre les frontières de la France et de l'Espagne. Oui, je l'avais cité cette information. Si les musulmans avaient triomphé, ils vont envahir toute l'Europe. C'est pourquoi quand Charles Martin avait triomphé dans cette bataille, il le porte sur les coups. Zosha avait fait quelque chose de différent que mon bon Dieu m'avait inspiré. La mission du Sèmes, c'est de faire mourir Schlenko. Et la mission du Schlenko, c'est de faire mourir Sèmes. Qui est ici va triompher contre qui? Est-ce que Sèmes va tuer Schlenko? Et elle avait promis, je vais vous défendre contre la torture. Et je vais vous donner votre père et vous allez retourner. Et la même chose avec Sèmes. Si vous allez tuer Schlenko, je vais faire la même chose. Je vais vous donner Manel. Sèmes, je le fais. Abdelrahman al-Khafri et j'avais fait Schlenko Charles Martin. Comme la bataille heurtante est une bataille de la vie et de la mort, il y avait une conviction religieuse. Et si les Babyloniens et les Barbres, la même histoire de l'invasion du Uhud à l'époque du prophète Mohammed, qu'Allah prit sur lui et le salut, et ils ont laissé le côté, malgré qu'il y avait des victoires pour les musulmans. Ils sont descendus pour collecter les butins. Charles Martin, quand il avait trouvé que les musulmans ont la main sur et ils vont triompher. Il avait regardé à la terre du combat d'une autre vision. Il avait su la normalité des forces armées qui venaient avec les musulmans, qui sont les barbares. Il avait une histoire. Le leader ici avait une histoire. Il parlait avec cette histoire. Ce ne sont pas de simples soldats. Il aimait l'argent comme les mercenaires. J'étais pour eux l'argent et les leaders se contredisent, mais il les dit, voilà, c'est ça, c'est la clé du victoire. Et d'ici vient ou paraît ce qui est qualifié par Zosha, que c'est la stupidité des forces armées des musulmans dans cette bataille. C'est une convoitise dans la vie. Et cette convoitise n'est pas la bonne édition et au grand pour, dans les affaires de la guerre et de la paix. Et l'absence de l'engagement des postes mène à la défaite. Oui, exactement. C'était une grande déroute à degré que Abdelrahman al-Khafki, quand il combat, il était à la fin du mois du Sha'ban et le premier du Ramadan. Il poursuivait cette bataille. Il est jeune en ce temps-ci. Le nombre des musulmans qui ont été tués était incroyable, à degré que Charles Martin qualifie son joie quand il cite « Comme mon pied plonge dans les corps des musulmans et comme je nage dans une mer de sang, c'est le sang des musulmans. » وكأنني أسبح في بحر من الدماء نعم. دماء المسلمين نعم. أود أن يعني أختم بهذا الملمح أن المسلمين في ذلك الوقت كانوا
Je veux clôturer par ce trait que les musulmans, dans ce temps-ci, ils sont la civilisation, ils sont le minaret. Ils désiraient illuminer l'Europe qui était au cœur de l'obscurité, l'obscurité mentale et intellectuelle et civilisée et psychologique. Mais le destin, c'est que Charles Martin triomphe contre Abderrahmane Al-Khafqi. Dans cette bataille surnommée le cours des martyrs sur les frontières entre la France et l'Espagne. Monsieur Mohamed Abderrazak, je suis très satisfait et très content de cet entretien, de ce roman surnommé Il Arlel ou Les Menottes, les chaînes, et j'espère que ces chaînes ne soient pas dans le cou du quelqu'un et on essaye à réformer nos affaires, même avec les fautes du passé, à travers la manière avec laquelle on arrive aux travaux caritatifs qui peuvent corriger les fautes du passé. Je vous remercie infiniment. Je suis très content réellement d'être avec vous. Je vous remercie beaucoup, chers téléspectateurs. On suivait ensemble les autres parties de cette édition. Donc, chers téléspectateurs, actuellement, vous avez un rendez-vous très important avec un de nos invités, mais cette fois-ci, ça sera un lecteur qui va vous montrer des idées très intéressantes à travers un livre qu'il a choisi. Donc, je dois actuellement laisser à vous laisser plutôt avec ce lecteur. Le titre signifie donc le choix de l'homme et l'esprit éveillé. Avicenne a commencé par présenter le principal protagoniste en posant une question au cheikh. Quel est votre nom? Haïban Yaqzen, a-t-il répondu. On lui a dit, d'où venez-vous cheikh? Il a dit, de Jérusalem. Que faites-vous dans la vie? Il a répondu, je suis un touriste qui fait le tour du monde. Voilà les trois volets sur lesquels est basé le roman. Ensuite vient Ibn Tufayl, deux siècles après Avicenne. Il aborde le même roman et a écrit sa philosophie. Peu de temps après, vient Shehab el-Din el-Sarroudi, qui a choisi pour le roman un nouveau titre, à savoir « L'exil de l'Ouest ». La philosophie d'Avicenne a abordé l'esprit humain et la vie dans l'univers d'Allah le Tout-Puissant. Comme l'homme peut-il s'épanouir en contemplant les gens autour de lui et en faisant la connaissance des créatures d'Allah le Tout-Puissant. Voilà la philosophie islamique. Il a pris la philosophie grecque et a voulu l'adapter à l'islam. Donc, chers téléspectateurs, avant de vous quitter, je dois vous inviter à jeter un coup d'œil sur le box-office, sur les dernières évolutions en ce qui concerne le marché des livres, en ce qui concerne plutôt les livres les plus vendus, les plus achetés sur le marché international ou même sur le marché national.
Malheureusement, le temps passe très vite, mais comme d'habitude. Avant de vous quitter, je dois vous rappeler, chers téléspectateurs, que vous pouvez nous suivre à travers Facebook/bibliothèque. Donc, vous ne devez pas rater de nous suivre à travers le Facebook. Au revoir.